Zerou, bienvenue à Bax Music. J'ai le plaisir de vous présenter cette excellente Paisley FJA51. Nous allons voir ensemble quelles sont ses spécifications et quel type de sonorité on peut obtenir avec. C'est parti. Il s'agit d'une guitare électrique de type solid body de la marque Paisley qui reprend la forme eh bien, de la mythique Jaguar ou de la Jazzmaster avec cette configuration de 3 micros P90 qu'on appelle également les sub-bars. Nous avons un corps en tilleul avec une finition sunburst brillante. Nous avons un manche en érable 22 cases qui est vissé. Faut que je tourne la guitare quand même dans le bon sens. La touche du manche est en black wood et nous avons un diapason de 25 pouces et demi. Le radius, même si je n'ai pas eu d'informations sur la fiche technique à ce sujet, j'estime que c'est un radius de 9,5. Il a l'air assez rond. Nous avons des mécaniques chromées à bain d'huile au niveau de la tête 600 lignes. Le chevalet avec un vibrato de type vintage, je vais vous le montrer dans un instant, il est super sympa. Et puis, je l'ai déjà dit, ces micros P90 qui sont contrôlés donc par un tone control. On va voir ça immédiatement d'ailleurs. Il y a vraiment des sons sympas à faire avec cette guitare. Le volume, le sélecteur 5 positions, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il est placé de manière un petit peu spéciale, mais il invite vraiment à s'en servir. Parce que, voilà, il n'est pas dans le... Il n'est pas caché quelque part. Je ne sais pas qu'il est caché sur d'autres guitares. Vous voyez ce que je veux dire? Il est vraiment mis en évidence ici. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi là, ces petits boutons? Alors, on va faire un gros plan dessus. Et bien, c'est simplement, en fait, pour les éteindre, les déconnecter les micros. Hop, il est éteint. Pareil, le micro intermédiaire. Donc comme ça, vous allez peut-être pouvoir faire des combinaisons ou retrouver eh bien, les impressions et le look de ces guitares vintage. Alors, on parlait de rétro et ce chevalet, il est très très intéressant. Là, on ne va pas se priver de mettre la tige. C'est parti. Vous allez me demander, est-ce qu'il tient l'accordage? Alors évidemment, avec ce câble-là, il va évidemment contre la fiche de jack de mon câble. J'en suis bien désolé, mais bon, c'est pas un souci. Si vous avez un câble qui est coudé, vous n'aurez pas ce problème. On va se mettre avec le micro côté manche, mettre un petit peu de tone ouvert. Alors, c'est pas pour faire des effets de vibrato style Eddie Van Halen, mais c'est vraiment pour des choses un petit peu ambiantes, atmosphériques, très très sympa. Donc, je vous recommande de l'utiliser. En tout cas, ça, c'est livré avec la guitare. Alors, je le pose, je vais vous montrer des petits sons crunch. On a une overdrive qui est à 15%, donc il y a pratiquement, bon, je ne vais pas dire pratiquement rien, parce qu'avec une overdrive, il y a toujours plus de son. Alors, là, ça tape un petit peu, donc ça serait plus raisonnable de se mettre sur le micro côté manche. Donc là, le micro, en fait, est très, très relevé. Et on va jouer au niveau manche. On peut le rabaisser facilement en resserrant les vis. Thank you.
Super look vintage, ambiance rock alternatif, ambiance indie pop. Donc pour tous ces types de sonorités-là, eh bien, ces sonorités un petit peu rétro qu'on adore, cette guitare va vous l'offrir. Elle va pas seulement vous l'offrir visuellement, mais à un prix absolument dérisoire. Donc il faut vraiment pas... Seul Faisley peut vous proposer une guitare avec ce son. Vous avez entendu quand même, il y a un super son à ce prix-là. Donc allez-y, et puis en plus avec... vous avez cette garantie 30 jours satisfait ou remboursé, bon, il n'y a absolument aucun risque. Vous aurez la description de cette vidéo, vous allez trouver un lien. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Bax Music. C'était donc l'essai de la Faisley FJA51. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.